fini. Cool. Right. Ciao, ciao, ciao. Yeah. Yeah. On se voit où là? Là, on s'en va où? À Laval. Yes. J'ai Marco qui est gérant du magasin de Laval. Là, ce qu'on va faire avec Félix, c'est qu'on va lui donner deux profils de clients chez Popeyes. Puis je veux que Félix aille me chercher 5 suppléments par profil dans le magasin, que lui conseillerait. C'est bon. T'es prêt pour ça, Phil? Oui, toujours prêt pour ça. Hein? Ouais. Okay. Ok, Félix, j'ai une mère qui vient pour son jeune, son enfant qui a un trouble de TDAH, qui a de la difficulté à se concentrer. On a 13-14 ans, mettons. Il déjeune mal, tu sais, je sais pas quoi faire, j'ai un problème de TDAH, mais crème, je veux pas juste le mettre sur le Ritalin. Qu'est-ce que je peux lui donner pour l'aider? Donc, mon choix pour ton client, ouais. Ben en fait pour le fils de ta cliente, ouais. Premièrement, un oméga 3 plus riche en DHA pour la concentration. Je voulais de l'acétylcarnitine, il y en a au niveau de l'IGF, 4 capsules à jeun le matin sur un estomac vide avec un grand verre d'eau. Je viens avec un probiotique, parce qu'on sait 70% des neurotransmetteurs partent du petit intestin, donc on va avoir une santé digestive optimale pour avoir une meilleure concentration, un meilleur focus. Tu sais qu'il mangeait pas super bien. Donc. Exact. Et on va chercher un greens, il mange mal, on veut s'assurer d'avoir des légumes, aider sa digestion aussi, puis pour un jeune, c'est beaucoup plus facile de mettre un scoop qui goûte bon dans un truc d'eau. C'est sûr que c'est mieux de manger des vrais légumes, mais on travaille sur la progression, non la perfection. Avec une protéine végétale, 100% biologique. Pourquoi j'ai choisi l'OVB? Parce que moi, je me fais une crêpe avec ça. Je mets 3 œufs, un scoop, un peu d'huile de coco, j'ai vu que t'en avais. Ouais. Je fais cuire ça d'un côté comme de l'autre. Je prends un sirop Walden Farm comme que t'as. Puis après, je me limite à 5 produits. Exact. Right? Je fais cuire ça. Donc le jeune a l'impression de manger une crêpe avec du sirop le matin, mais en fait, il manque de protéines, bon gras. Fait que si on commence avec un déjeuner qui est riche en protéines, riche en bon gras et pauvre en sucre, ça permet d'avoir une meilleure acuité au niveau de l'école. Fait qu'ils sont plus concentrés aussi. Félix, scénario, il y a un jeune homme de 19 ans. Ouais. Il a vraiment la misère à prendre la masse musculaire. Il aimerait gagner 20 livres 3 mois pendant l'été. Wow, okay. Pour son saison de football. Ok, alright, je vais, je suis prêt. J'ai prêt? Déjà mon idée. Yeah. Alright. There you go. Ce qui est important, premièrement, c'est de travailler sur les fondations du jeûne. Donc, on va chercher une multivitamine. Le but, c'est que si tes phases de détox P1, P2 au niveau de ton poids ne fonctionnent pas, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Faut que tu ailles vraiment les nutriments que tu as besoin. Deuxième des choses, j'ai rentré une de coco. On va l'obliger à cuire là-dedans. Pourquoi? Parce que du gras, c'est 9 calories par gramme au lieu d'être des protéines et des glucides, que c'est 4 calories. Troisième des choses, la créatine pour créer une légère. Une légère rétention intramusculaire au niveau de l'eau, au niveau du muscle, que quand le muscle, la cellule musculaire est stretchée, le mTOR est activé, donc une hypertrophie qui est induite par ça. Donc on veut mettre la force avec le gain musculaire pour venir vraiment créer une hypertrophie intéressante. Je travaille avec des enzymes HCR parce que souvent un gars ou une fille qui a de la misère à prendre la masse musculaire, c'est une incapacité d'absorption au niveau de sa protéine. Tu sais, on dit souvent, vous êtes ce que vous mangez, mais en fait, t'es ce que t'absorbes, right? Si t'absorbes pas tes protéines, ça sert à rien que t'en manges beaucoup. Fait que le HCL va nous permettre d'avoir une absorption quasi totale des protéines qu'il mange. Et on a fini ça par un gainer. Je sais que je dis souvent qu'un gainer, c'est pas nécessairement le meilleur choix. Tu entends, c'est un jeune, il a 19 ans, il doit être au cégep, il travaille 2 jobs. Il veut rentrer des nutriments rapidement. Donc la nutrition liquide, c'est une bonne façon de le faire. Premièrement, parce que la nutrition liquide, c'est pas la même digestion qu'une nutrition solide. Et deuxième des choses, ça va lui permettre de rentrer plus de calories parce que quand c'est liquide, c'est absorbé plus rapidement. All right. C'est intéressant ce que tu dis. But it is interesting.
Donc, ma mission est accomplie à Laval. Je suis FD passé, FD a conquéri tout. Maintenant, on s'en va. Je sais même pas où s'en va. Ça va, Pierre? On va en ville Saint-Laurent se faire des yogos glacés aux protéines. That's it. Yes. Good. On se voit tantôt. We'll see you there. Là, on est à Vaudreuil. On va se faire faire un shake parce que dans certains Popeyes, il y a des bars à shake slash yogourt glacé slash j'ai vraiment faim en ce moment. Fait que j'ai dit au gars, faites-moi le meilleur repas que vous pouvez me faire. Le défi, c'est que par repas ou par shake ou par yogourt qu'on fait, faut qu'il y ait moins de 20 grammes de glucides, autour de 50 grammes de protéines, puisqu'on est quand même pas des petits gars, right? Et autour de 30 grammes de gras pour nous faire toffer le reste de notre run. Ils m'ont regardé puis ont fait easy money. Donc, à base, le bar à shake, c'est tu peux venir puis tu peux pogner un shake fait avec yogourt puis protéines à sa base. Mais ce qui est fun, tu peux rajouter d'autres choses dans ton shake. Donc, tu vas toujours avoir des différentes choses. Tu n'as jamais besoin de prendre le même shake deux fois quand tu viens dans le magasin. Tu as toujours un peu de variété que tu peux en prendre. De protéines BioX, c'est un petit peu de beurre d'arachide de celui de combien juste de vous voulez, nothing more, puis à peu près la moitié du verre du yogourt glacé avec un petit peu d'eau. Vraiment, vraiment bon. Genre 10 sur 10. C'est écœurant. Donc la façon qu'on marche ici, c'est vraiment facile. Tu as à peu près un couple d'options. Tu as vraiment le yogourt glacé, le shake aux bases. Tu as le choix en toutes tes protéines en arrière de moi. Dans chaque combo, tu as des choix. Le premier, c'est le combo santé. Tu peux acheter des Pito Berries, le Veggie Greens, des Fribs, des Oméga 3. Le deuxième, c'est pour un pre-workout pour l'énergie. Puis le dernier, c'est pour le mass gain, vraiment pour gagner de la masse. Puis à la dernière, on a le menu à la carte. Si, mettons, tu veux pas de yogourt, mais on peut faire des shakes ici, sans yogourt. Tu vas juste coûter les prix en haut. Là, on a super bien mangé, on s'est bien rempli, on s'en va au dernier magasin pour finir la journée. That's it, dans 4 secondes. Donc, dans notre marathon avec Popeyes, on s'est dit qu'on allait vous présenter, en fait, en exclusivité, le nouveau magasin qui va ouvrir à la salle de Popeyes. Venez avec moi. Fait que là, Pierre, on finit notre épopée aujourd'hui. Ouais. On est dans le futur nouveau magasin Popeyes à La Salle. Exactement. C'est vraiment cool parce que là, on va ouvrir le vendredi, le 31 mars. C'est notre ouverture officielle. Il va y avoir une tente, il va y avoir barbecue, boucher, il va y avoir des prix pour tout le monde. Ce qui est vraiment cool quand on ouvre un magasin, c'est l'implication de notre staff, l'implication des fournisseurs, des gens, de la clientèle. Il y a 200-300 personnes, il y a des files d'attente. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. On a 50 sacs cadeaux de 200$ environ, 200-250$, dizaines de compagnies environ. Je pense que tu donnes... Ouais, nous aussi, on va donner des belles choses parce qu'on va être là à l'ouverture avec les gars de Popeyes à la salle. Puis c'est pas mal ça qui conclut mon marathon que j'ai fait avec ça, toi. Félix, honnêtement, ouais, je trouvais ça cher. C'est le fun. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, on se parle depuis déjà quelques mois, mais j'avais jamais vraiment senti le cœur un peu de Popeyes. Puis j'ai vu une gang de monde sharp à leur affaire, qui aiment leur job, qui sont là, tu sais, les gérants, sérieux, les gérants de Popeyes qui m'écoutent. Thumbs up, guys, parce que les gars et filles aiment travailler pour qu'est-ce qu'ils font, ça paraît. Ils ont la compagnie à cœur, toi aussi. Fait que j'ai trouvé ça super cool. On s'est bourré la face, on a pris des shakes, on a eu du fun. J'ai vraiment trouvé ça cool, puis j'espère pouvoir avoir la chance. Hey, Félix, honnêtement, merci. On est vraiment content de faire avec nous autres. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Et si vous voulez venir nous voir à l'ouverture du nouveau Popeyes à la salle, venez vous en joindre là.